Tout le monde a les bavettes? Ok. Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de la plateforme et des syndicats associés, chers amis de la presse, honorables membres des syndicats, chers militants, chers confrères, chers collaborateurs, nous allons vous lire la déclaration de la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés. La plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés se sont réunis le samedi 28 mars 2020 suite à la crise sanitaire que vit notre pays. L'ordre du jour débattu se résumait à trois points. 1. Information. 2. Conduite à tenir face au Covid-19. 3. Divers. Au titre des informations, l'Assemblée a entendu une communication relative au compte-rendu complet de la rencontre du 20 mars entre le cabinet ministériel et les syndicats. Lequel compte-rendu mettait en exergue la disponibilité du matériel et des équipements dans les 10 jours à venir. Pour clore le chapitre des informations, il a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, les agents contractuels sont sans salaire depuis 6 mois. Au chapitre de la riposte contre le Covid-19, nous avons fait les constats suivants. Un manque criard de matériel élémentaire depuis les ESPC au niveau 3 de nos systèmes sanitaires, dans la plupart de nos structures depuis le début de cette crise. L'absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini. L'absence notoire d'un cadre de motivation des agents de santé engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La construction d'un local devant recevoir des malades du Covid-19 à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon. Au titre des divers, les syndicats ont pris l'initiative de faire des dons aux agents de santé et se portent volontaires pour toutes les actions de sensibilisation tant au niveau du personnel que de la population. Vu ce qui précède, la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés exigent 1. La disponibilité des consommables, masques, FPP2, gants, agnogel, alcool, javel, système de lavage complet. L'instauration de primes de risque sanitaire et de motivation particulière des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 3. La définition d'un circuit clair de suivi du malade, la promotion et l'installation des points de lavage d'eau, plutôt des points de lavage de main dans toutes les structures sanitaires. 4. La relocalisation de l'espace prévu pour les malades du Covid-19 au sud de Yopougon. 5. La mise à disposition de la cartographie des structures sanitaires disposant de respirateurs, y compris les structures privées. 6. L'identification et la diffusion de la cartographie des sites de quarantaine avec prise en charge complète des patients. 7. L'adaptation de la définition des cas suspects à l'évolution de la pandémie dans notre pays. 8. La mise à disposition de façon sélective des laboratoires des hôpitaux, le matériel de couvillonnage du Covid-19. 9. La décentralisation effective de la réalisation de l'examen de l'analyse biologique du Covid-19.
Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aka Aouye, est conscient de cette difficulté dont vous venez de l'Union? Attention. Merci. J'ai besoin. Le patron me donne l'occasion de répondre à votre question. En tant que chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé, je pense que, effectivement, on est sur la même table, dans la même salle, évidemment, on est dans le même pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous n'avons pas venu nous asseoir ici un après-midi, un week-end d'ailleurs, pour dire des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ceux que vous voyez derrière nous autres, ce sont les internes, ce sont les gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux, et nous-mêmes. Nous vous relatons ce qui est la vérité de notre système sanitaire. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons. On a dit bien « Mac Cria ». En fait, on voulait chercher un autre mot qui était plus fort que ça. Mais comme des journalistes, vous pouvez trouver un autre. Mais quand on dit « Mac », déjà, ça veut dire que peut-être il y a quelques-uns, mais c'est le manque, il est trop fort. Et en réalité, il est trop fort. Voilà, parce que vous avez vu tout à l'heure, on peut même avoir les bavettes pour nous-mêmes, à plus raison vous. Donc, vous comprenez, nous, que c'est la vérité. Et nous, on ne veut pas se faire complice d'un suicide, non seulement de la population, y compris nous-mêmes. Parce que chaque fois, aller toujours dans